d'Immo, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des mots d'Immo. Vous savez, on se fait une petite mensuelle comme ça et comme ça on arrive à mettre les mots sur tout ce qui concerne la partie donc immobilière. Je suis très content pour cette émission de mai parce que j'ai un très très bel invité à vous présenter. Mais juste avant, je voudrais faire passer un message. Vous savez que Aix-les-Bains, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais la ville d'Aix-les-Bains met en place un appel aux dons. Donc, au profit de 5 orphelinats en Ukraine. Donc, les enfants ukrainiens ont besoin de vous, ils ont besoin de vos dons, de jeux, de jouets, de peluches, de produits d'hygiène. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir déposer l'ensemble de vos dons. Il y a un accueil qui est prévu à partir de demain, donc demain vendredi 13, d'accord ? Donc demain, vendredi 13, de 10h à midi, au Théâtre de Verdure, d'accord ? Et il y aura une permanence qui sera là tous les jours de 10h à midi jusqu'à mercredi. Donc dès demain, vendredi jusqu'à mercredi 18 mai, de 10h à midi, venez déposer vos peluches, vos jouets, les jeux, des produits d'hygiène, enfin tout ce qui pourrait être utile. Ça part directement en Ukraine, hein. ça part le 19 mai directement en direction l'Ukraine. On compte sur vous, c'est pour 5 orphelinats, on en reparlera tout à l'heure, mais tout le territoire Grand Lac compte sur vous. Pour en revenir au mot d'Immo, donc ce soir, j'ai décidé, je m'étais dit, tiens, quelle thématique on pourrait aborder ? Parce qu'on avait vu quand même un certain nombre de choses, notamment avec des notaires qui étaient passés. On avait eu aussi Laurent Vimon, président de Century 21 France, qui nous avait rendu visite sur le plateau. Et moi, je voulais parler d'expertise immobilière. Parce que vous savez, on entend parler de tout, on dit beaucoup de choses. Vous savez que maintenant, vous avez des sites comparatifs pour pouvoir faire des estimations en ligne. Mais comment est-ce qu'on peut expertiser véritablement un bien immobilier ? De quelle manière ça se fait ? Eh bien, vous le savez peut-être. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais il y a des cabinets d'expertise qui sont là pour ça, et chez nous, dans notre coin, il y a Berthier Associés, qui est en place depuis plusieurs dizaines d'années, qui est en place sur le bassin à Grand Lac, et ce soir je reçois son dirigeant, Franck Chanel, qui est avec nous ce soir. Franck Chanel, bonsoir. Bonsoir Sullivan, tout d'abord merci de cette invitation, je suis très content d'être ici. Sur l'ensemble, on n'est effectivement pas très loin puisqu'on est en local et je crois que même nous sommes à côté des émetteurs de Radio Grand Lac puisqu'on est sur le Bourget. Exactement. Sur l'ensemble, donc voilà, donc on capte d'habitude très bien la radio sur l'ensemble. Et là, ça fait plaisir d'être de l'autre côté, je n'ose dire du miroir, mais en tout cas du micro. C'est un grand bonheur d'avoir. Ça, c'est le premier élément. Sur la petite chose donc, qui a été évoquée, moi je suis content de voir la solidarité de la ville d'Aix-les-Bains avec effectivement des orphelinats en Ukraine. Donc c'est une bonne initiative, on va la relayer au sein du cabinet et également aussi auprès d'un certain nombre de clients où je ne doute pas qu'un certain nombre auront à cœur effectivement de pouvoir faire un petit don pour aider des gens dans une situation difficile. T'as dit que tu étais face à un bel invité. Je suis pas sûr d'être aussi beau que ça, mais j'espère d'être un petit peu plus radiophonique. On va essayer en tout cas par rapport à ça. Sur l'ensemble, effectivement, t'as évoqué la question de l'expertise, des besoins d'expertise. En réalité, nous avons des métiers, vous dans les agences, effectivement, nous dans les cabinets d'expertise, un peu différents et finalement très complémentaires. L'intervention de l'agence, elle est effectivement, comme on l'a compris, essentiellement liée à un moment donné qui a un acte de disposition, qui est la vente ou l'achat effectivement d'un bien, ou éventuellement d'administration avec la mise en location d'un bien, voire l'administration d'un immeuble, d'une copropriété. Le métier de l'expertise est complètement différent. Historiquement, nous, le cabinet est un vieux cabinet, on fait partie des très vieux cabinets de Rhône-Alpes et même Quand de tu France. Dis très vieux, c'est quelle année ? Nous, c'est 1979, on doit être avec un de nos confrères, d'ailleurs que je salue au passage, donc qui est le cabinet Frérot également, sur l'ensemble, donc parmi les plus vieux cabinets de France par rapport à ça. Et, le rôle de l'expert, en fait, tel qu'on l'a eu, tel qu'il a été imaginé à l'époque, c'était effectivement de pouvoir apporter le regard d'un technicien, si je puis dire, à un magistrat. Alors, pourquoi le regard d'un technicien à un magistrat ? Parce qu'effectivement, connaître la valeur d'un bien, souvent, on la connaît en la confrontant au marché. Un client vient, souhaite obtenir un certain prix d'un bien, réaliste ou pas d'ailleurs, parfois. Et puis, effectivement, la confrontation, le travail de l'agence immobilière va permettre effectivement de trouver un acquéreur et finalement, à un moment donné,
en fonction des différents paramètres, notamment des conditions suspensives d'un certain nombre de choses qui pourraient être demandées ou obtenues, il va obtenir telle ou telle valeur par rapport à ça. Le métier de l'expert, et notamment d'expert agréé près les tribunaux, puisque c'est bien de cet agrément-là dont on parle et de notre profession, effectivement, c'était d'apporter un regard un peu différent, qui était à la fois un regard neutre, un regard plus technique, avec aussi davantage de paramètres, de prise en compte de paramètres juridiques, effectivement, à un magistrat. Alors pourquoi ? Bah parce que tout simplement, il y a un certain nombre de situations de la vie auxquelles sont confrontés les gens, qui sont effectivement des gens effectivement dans, à l'occasion de succession, à l'occasion de partage dans des indivisions, à l'occasion effectivement de mariage et aussi surtout de divorce, hein, la fin du mariage. Effectivement, il y a un certain nombre de situations où les gens ont besoin de mettre une valeur sur un bien sans forcément avoir besoin de se confronter au marché de la vente parce qu'il n'y a pas de volonté de vendre. Donc la difficulté effectivement pour un magistrat qui est un professionnel du droit et les conseils qui sont autour du litige, hein, donc les avocats en particulier, c'était effectivement d'apporter les éléments un peu techniques et objectifs et les éléments de valorisation sur cet ensemble. C'est un peu autour de ces phénomènes et de ces problématiques qu'est né le métier de l'expertise immobilière. Donc sur l'ensemble, depuis 79, comme on le disait, donc un certain nombre, donc au niveau en tout cas local, je crois que le premier c'était notre confrère qui était un petit peu antérieur à Gérard Berthier, qui devait être depuis 78, mais effectivement il y a une génération d'experts, de gens qui se sont professionnalisés, donc ils n'étaient plus simplement des professionnels, je dirais, de l'immobilier, mais qui sont devenus effectivement des experts qui ne font que ce métier-là. Alors j'imagine qu'effectivement au sein du cabinet, vous faites aussi un petit peu d'évaluation, d'expertise, et on reviendra peut-être un petit peu sur ces deux mots. Quand c'est une évaluation, donc j'imagine que tu te déplaces chez les gens, et qu'est-ce que tu fais par rapport à nous ? Alors moi, c'est très simple, en tant qu'agence immobilière, je me déplace, je cote la maison, et surtout je parle de son projet. Je regarde un petit peu toutes les dispositions techniques, en fait. Il y a en fait deux volets. Il y a le volet technique, celui où je vais faire un tour de la maison, celui où je vais prendre en compte toutes les données techniques, donc l'année de la maison, s'il y a eu de la rénovation, si les gens sont jus, les modes de chauffage, enfin tout un certain nombre de paramètres techniques. Mais ce qui va m'intéresser encore beaucoup plus, ça va être le projet. C'est les raisons pour lesquelles je suis là et de quelle manière on peut collaborer ensuite. Parce que moi, mon travail après-dernière, c'est d'apporter une lumière pour envisager un travail, enfin une collaboration avec ce client-là. Puisque moi, en fait, dans mon métier d'agent immobilier, je ne suis payé que lorsque ma mission est réalisée. Donc entre le moment où je vais rencontrer la personne, je ne fais pas payer mon évaluation. Et c'est qu'au moment où, si tu veux, je fais la transaction, donc plusieurs mois après, mais vraiment plusieurs mois, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 6 mois, parfois c'est 1 an, parfois c'est jamais, que le notaire ventile les fonds et les donne. Mais toi, c'est différent. C'est exactement ça. On a donc à la fois sur le mode opératoire, et on y reviendra peut-être un petit peu sur les différentes spécificités qu'on peut avoir dans nos métiers, entre le tien et le nôtre, effectivement, mais aussi sur l'ensemble. Nous, effectivement, le métier, l'expert agréé près de la cour d'appel, sur l'ensemble, qui est d'ailleurs, à propos... le seul véritable agrément, en fait, dans l'organisation de la profession, c'est peut-être important de le comprendre, on va avoir effectivement un certain nombre de ce qu'on appelle de titres protégés. Donc le premier, évidemment, ce qui est celui peut-être le plus connu, mais on n'en a pas dans la région, ce qu'on appelle expert près de la Cour de cassation, ouais. C'est effectivement des experts qui vont intervenir et qui sont référents auprès de la Cour de cassation. Donc c'est vraiment des litiges qui sont effectivement souvent avec une forte problématique juridique et qui vont être spécialisés, y compris dans l'immobilier. On a un certain nombre de nos confrères qui sont pour l'essentiel des confrères parisiens. Sur l'ensemble, aussi pour des questions d'organisation géographique et administrative, puisqu'effectivement la Cour de cassation est située à Paris. Sur l'ensemble, on a effectivement, ensuite, dans l'organisation toujours de la profession, ce qu'on appelle les experts près la Cour d'appel, qui sont effectivement des experts référents sur une Cour d'appel. Donc nous ici, nous sommes sur le ressort de la Cour d'appel de Chambéry, donc qui regroupe, on va dire, la Savoie et la Haute-Savoie, et différents, le ressort des différents tribunaux judiciaires, parce que dans l'organisation, effectivement, les anciens TGI et tribunaux d'instance sont devenus ce qu'on appelle les tribunaux judiciaires, donc on va retrouver effectivement Annecy, et on va retrouver Chambéry également. Donc, sur ces tribunaux, on a ensuite un autre titre, effectivement, deux autres titres, on va dire, qui sont protégés et qui témoignent d'un élément. Donc, ce qu'on appelle l'expert agricole, donc l'expert agréé, donc toutes les problématiques agricoles, donc un agrément un peu différent qui va défendre effectivement le ministère de l'Agriculture,
qui est effectivement essentiellement lié à toutes les problématiques d'aménagement du territoire, de dégâts aux cultures, etc. Donc c'est vraiment des métiers de techniciens très spécialisés sur un certain nombre, souvent très compétents d'ailleurs, sur l'ensemble. Et enfin, on va avoir un dernier titre qui va être expert, c'est ce qu'on appelle expert assermenté près la cour administrative d'appel, où effectivement, c'est davantage sur les litiges entre, je dirais, l'administré et l'administration. Pour ça, je rappelle qu'on a une organisation des territoires qui est un petit peu particulière, puisque un litige civil qui interviendrait, par exemple un divorce civil qui interviendrait au niveau effectivement de la ville d'Aix-les-Bains, serait dépendrait du ressort effectivement du tribunal judiciaire de Chambéry, puis de la cour d'appel de Chambéry. Le même litige dépendrait du tribunal administratif qui lui est à Grenoble, nous n'avons pas de tribunal administratif en Savoie, et de la cour administrative d'appel de Lyon. Nous avons donc une petite organisation dans notre profession sur ces quatre rites. On a ensuite un certain nombre d'organisations qui ont en interne décidé d'agréer leurs propres experts. Ça va être effectivement soit des associations qui tentent de structurer, soit effectivement parfois même des réseaux de confrères à toi qui vont effectivement valoriser une compétence avec une formation, etc. interne. Oui, oui, une compétence d'expert, mais qui en réalité n'en est pas une, quoi. Qui est un petit peu différente, effectivement. On est plus sur une logique d'expertise liée à un acte de vente, un peu à l'instar de ton métier, et pas du tout une expertise, effectivement, qui est sollicitée soit au tribunal, soit susceptible d'être produite dans le cadre d'un litige. Donc on a effectivement sur cette organisation de la profession. C'est important de le souligner, t'as raison. Voilà, on a ces éléments. Alors, pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'en fait, le mécanisme et la prestation de serment qu'on effectue effectivement à la cour d'appel, c'est aussi une notion importante qui est une notion d'indépendance et d'impartialité. Et c'est là où je pense qu'on a la principale différence avec le métier de l'agence immobilière, c'est que l'expertise n'est pas liée au succès de la procédure, contrairement effectivement au métier de l'agence immobilière où la rémunération elle est au succès de la transaction par rapport à ça. Nous, on a un métier d'honoraire, où effectivement, il y a une convention qui, en général, est établie préalablement. Alors, pour notre part, c'est quasi systématiquement, on peut fonctionner un petit peu différemment, mais c'est toujours une logique d'honoraire qui n'est jamais liée ni au montant du bien, ni au montant du litige, ni au succès de la procédure. Pourquoi ? Parce que c'est une des garanties d'indépendance et ça fait partie des éléments, effectivement, qui vont permettre de justifier, effectivement, d'une totale autonomie dans un dossier. Ça serait compliqué pour un expert de n'être rémunéré, de donner un avis totalement indépendant, effectivement, uniquement si son client prospérait dans sa demande. Donc cette garantie d'indépendance, c'est à mon sens l'un des principaux, c'est la principale même différence avec le métier de l'agence immobilière. Puisqu'après, tu l'as évoqué, dans les compétences et dans le processus même de la mission d'expertise, les choses vont se dérouler sensiblement de la même manière. Effectivement, une expertise, souvent, nous avons tendance à dire dans nos métiers que nous n'expertisons pas un bien, mais nous expertisons des droits sur un bien. Pour comprendre cette différence et cette affirmation, il suffit de se rendre compte que si on est propriétaire d'un terrain et si on a le droit d'y construire une maison ou si on a le droit d'y planter du maïs, tout le monde a bien conscience qu'effectivement, la valeur de l'actif, la valeur du bien n'est pas du tout la même. Pourtant, le terrain, lui, il est strictement identique. Ces droits, ils vont dépendre effectivement parfois des propres droits que l'on va disposer sur un bien. Là, j'imagine que vous avez dans les discussions avec notaire bien expliqué les questions d'indivision. Quand on est propriétaire individu d'un bien, quand on a hérité d'un bien, que l'on est avec ses cousins, ses frères et ses sœurs propriétaires d'un terrain, si on est 5 et que le terrain fait 5000 m², c'est pas tout à fait la même chose que si on avait 1000 m² à titre totalement individuel. Effectivement, on a un certain nombre de situations qui peuvent impliquer des droits réduits sur un bien, sur l'ensemble. Mais c'est aussi, outre les biens dont on dispose soi-même, ce sont aussi les biens que des tiers peuvent disposer sur ce bien. Tout le monde a entendu la question, effectivement, de servitude qui peuvent exister, qui peuvent gréver un bien. Encore une fois, si on a un bien et qu'il est grévé d'une servitude de passage au profit d'un tiers ou d'un voisin, ou d'une servitude dite non aedificandi ou non altus tollendi sur l'ensemble, on imagine effectivement que la valeur de ce bien sera très différente. Les deux servitudes qu'on vient d'évoquer, pour mémoire, c'est effectivement des servitudes qui limitent la constructibilité sur un terrain ou qui interdisent cette constructibilité, voire qui limitent la hauteur des constructions autorisées. Ça peut être des servitudes qui vont être extrêmement protectrices pour la valeur d'une propriété. C'est notamment le cas, par exemple, sur un secteur que tu dois bien connaître, effectivement Tresserve,
où des servitudes de ce type sont très fréquemment utilisées, notamment les non-alcuste lendi, de manière à pouvoir limiter la hauteur des constructions qui sont faites en contrebas pour préserver la vue sur le lac du Bourget. Et de ce point de vue, d'ailleurs, quand on parle de droit, on comprend bien qu'effectivement, une propriété qui a la certitude de conserver cette vue magnifique sur le lac, ou au contraire, une propriété qui verrait cette vue complètement obérée par des arbres non taillés ou une construction devant, serait effectivement une construction dont la valeur pourrait être très différente. Tout à fait. Sur l'ensemble, ce que je disais, donc, cette organisation de la profession amène aussi forcément un peu des conditions d'accès à cette profession un peu différentes, puisque vous êtes, vous, dans un métier qui a ses propres organisations, ses propres règles, mais nous également. Donc, pour être expert aujourd'hui agréé sur la cour d'appel, il y a effectivement une demande, il y a une demande qui est effectuée, avec une inscription qui est faite pour une durée de 5 ans, et à l'issue de cette première inscription, qui, il ne faut pas le cacher, est assez difficile à obtenir, hein, parce qu'elle va supposer effectivement à la fois de justifier une expérience en général probante en tant qu'expert ayant travaillé dans un domaine judiciaire, notamment pour pouvoir maîtriser les paramètres effectivement de la procédure judiciaire avec un certain nombre de règles, on aura peut-être l'occasion d'en parler, ce qu'on appelle le respect du contradictoire ou des éléments de la procédure, et puis effectivement des conditions d'accès qui sont de l'expérience, puisque expérience, donc qui justifie d'une capacité, d'un niveau de diplôme, etc. Donc ces conditions d'accès, effectivement, donc il y a une demande qui peut être effectuée chaque année en début d'année, avec une réponse qui est donnée à la fin de la même année, où effectivement le nombre effectivement de nouvelles experts retenus chaque année est en général assez limité, aussi parce que les besoins exprimés par les magistrats ne sont pas forcément en hausse constante. Il y a effectivement un certain nombre d'experts qui sont déjà en place ou dans des cabinets existants et qui en général arrivent, en tout cas sur nos secteurs géographiques, assez bien à répondre à la demande dans un esprit souvent de bonne confraternité. Sur ces éléments, nous dépendons ensuite d'une compagnie d'experts sur l'ensemble, c'est la Compagnie nationale des experts judiciaires, donc qui effectivement est une sorte d'ordre interne qui fait respecter. D'ailleurs, nous nous appelons plutôt confrères et beaucoup moins concurrents. Cet aspect, il est important puisqu'effectivement, encore une fois, l'absence de success fee sur les dossiers, c'est le meilleur moyen de garantir l'indépendance de tous les experts. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'effectivement, à l'occasion d'un dossier, on est deux experts, l'un qui considère qu'un bien vaille 100 et l'autre qui considère que ça vaille 200 ou 300. Ça peut arriver, c'est souvent lié effectivement à des facteurs extérieurs. Une première expertise qui est demandée, un urbanisme, une situation d'urbanisme qui change avec une constructibilité qui va augmenter sur un terrain où on pouvait construire 1000 ou on peut construire 3000, ou à l'inverse, effectivement, un changement de PLU qui va déclasser toute une partie de zone, un changement économique majeur, comme on l'a d'ailleurs, je pense, depuis quelques années sur Aix-les-Bains, avec une très forte augmentation des valeurs immobilières. Il est vrai qu'en 12 ou 18 mois de temps, on peut avoir des valeurs qui peuvent être très différentes. Et aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que le temps judiciaire est un temps très différent du temps de vente. Il n'est pas rare qu'une procédure, pas du fait forcément des magistrats, de la justice ou des expertises, mais peut-être parfois aussi de l'inaction des gens. Nous, ce qu'on constate dans notre métier, dans les typologies de missions qui nous sont confiées, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de situations qui sont pré-conflictuelles par rapport à ça. C'est des gens qui veulent obtenir un partage sur un bien de famille, c'est des gens qui veulent effectivement discuter un loyer commercial, ça fait partie effectivement des missions de l'expert, hein, l'expertise de la valeur locative, sur ce qu'on appelle les motifs de déplafonnement. Ces éléments-là sont souvent... On va rarement tout de suite au contentieux. De notre expérience, encore une fois, depuis 79, sur l'ensemble le volume d'expertise qu'on fait chaque année, les gens sont finalement... nous, on est surpris par la gentillesse des gens et la volonté souvent de trouver un accord. Cet accord, il est parfois motivé par des décisions qui peuvent être personnelles, mais aussi, bien souvent, il y a des aspects qui sont économiques et qui vont être prégnants en matière, effectivement, immobilière, où la question de la valeur d'un bien, le montant du loyer, le montant d'un calcul de récompense dans le cas d'époux qui divorcent, d'une indemnité d'occupation, autant d'éléments qui font effectivement que l'on va se retrouver avec des intérêts parfois très divergents et des appréciations, des analyses de la valeur et des droits de chacun qui peuvent être très différents sur ces ensembles-là. Pour ça, effectivement,
nos organisations professionnelles ont codifié, il y a un certain nombre d'organisations auxquelles nous-mêmes adhérons, essentiellement effectivement ce qu'on appelle à travers la rédaction de la charte de l'expertise immobilière, donc il y a un document qui a été signé par un ensemble effectivement de partenaires, y compris d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'organisations, dont la FNAIM par exemple, je sais que tu en fais partie, la FNAIM qui a effectivement adhéré à cette charte et qui effectivement définit le processus de l'expertise et en particulier en valeur vénale. Tous les points que tu as évoqués effectivement font partie du travail, que ce soit classiquement effectivement d'évaluation, d'avis de valeur tel que vous le formulez souvent sur les agences ou plus généralement d'expertise tel que nous le crivons, avec un préalable indispensable qui est l'analyse des actes, des documents, puisqu'effectivement, encore une fois, comme on l'évoquait, la nature du titre de propriété que l'on détient sur un bien est susceptible de provoquer des différences dans la valeur de ses droits par rapport à si on est en usufruit, si on est en nue propriété, si on est plein de propriété, si on est en déviance, si on a une servitude qui grève un bien, qu'elle soit d'origine civile ou administrative. Nous allons donc, au-delà de l'analyse de ce titre, analyser l'analyse, effectivement, ce qu'on va pouvoir appeler plus généralement les droits des tiers, et en particulier si on a une situation locative particulière. On se rappelle en particulier qu'en matière de baux commerciaux, donc que ce soit pour effectivement du commerce de centre-ville, mais ce qui est aussi parfois plus méconnu sur tous les investissements qui ont été faits dans les résidences de tourisme en station, on a une logique de rentabilité qui est souvent accolée. On est ce qu'on a produit comme un produit financier. Il a aussi des contreparties, notamment en termes de droits du locataire, de droits de l'exploitant de la résidence, et effectivement dans l'appréhension du montage opérationnel d'une opération, y compris d'ailleurs de financement immobilier, donc sur l'ensemble, on aura effectivement quelques petits paramètres dont il conviendra de tenir compte, effectivement, au titre de la propriété commerciale et de l'éventuelle indemnité d'éviction si on décidait de récupérer son logement. Donc toutes ces missions, effectivement, tous ces points, notamment ces points extérieurs, vont être effectivement la première partie du travail de l'expert, analyser ces documents. Ensuite, pour notre part, nous effectuons systématiquement une visite sur le bien. Alors pourquoi une visite sur le bien ? Je sais qu'à l'heure aujourd'hui d'Internet, de Google, les différents outils, et il en existe des outils toujours plus sophistiqués, notamment pour les professionnels de l'immobilier, on pourrait penser que ça sert à rien de notre point de vue, parce qu'on a encore une petite entreprise, même si on a une certaine taille, on est encore des artisans, et nous c'est important pour nous de se voir. Grand-père était maçon, donc évidemment, pour moi, le béton, la qualité de la construction, l'état général du bien, la manière dont elle est construite, c'est très important. Au-delà de ces éléments, effectivement, ensuite, on va avoir la notion de la surface. Et on a une surface, effectivement, on va avoir différentes d'ailleurs, définitions de la surface. Vous l'avez, j'imagine, évoqué, et je crois l'avoir entendu sur une précédente émission, c'était la question de la loi Carrez pour les appartements, des petites définitions, ce qui est la loi Carrez, ce qui est une surface habitable, ce qui est maintenant la surface de plancher dans le cadre d'autres constructions, etc., etc. Donc on peut avoir des notions de surface qui peuvent être un petit peu différentes et qui ont besoin souvent d'être expliquées, parfois les fameuses surfaces à moins d'un 80, les surfaces de balcon, les fameuses surfaces de parties privatives. Est-ce que la terrasse extérieure au bâtiment est une partie privative ? Est-ce que c'est une partie commune ? Est-ce que c'est une partie commune à jouissance spéciale ? J'imagine que t'as plein d'exemples là-dessus, hein. Il y en a un paquet, effectivement. Ouais. Et tu pourrais dire les terrasses, tu pourrais dire les granges, les garages, les annexes, enfin... On est donc cette notion de surface, elle mérite à la fois d'être mesurée. Donc on utilise, j'imagine, globalement les mêmes outils que vous, hein, un certain nombre de lasermètres. Il y a des marques, des modèles différents. Enfin, globalement, l'idée est là, sachant que nous là aussi, souvent le besoin de précision avec des enjeux parfois très importants, notamment dans le locatif, nous amène, y compris nous parfois, à inviter nos clients à solliciter le véritable expert de la surface, qui est le géomètre expert. Où on a parfois des besoins de surfaces très pointues, avec des hauteurs différentes, avec des questions de passage sous poutre, habitable, pas habitable, des questions de conformation à un certain nombre de règles, des pentes pour de l'accès aujourd'hui, par exemple, à de la mise en œuvre d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On a parfois besoin. Et là, il faut bien reconnaître, et on est assez modeste, nous, de ce point de vue-là, c'est que le véritable expert de la surface, c'est le géomètre expert. C'est vraiment lui qui a la technicité, la spécificité, l'outillage pour faire quelque chose d'extrêmement précis dessus. Donc, on a un certain nombre de missions où, effectivement, on dit d'ailleurs à nos clients, attention, là, on touche nos limites de compétences par rapport aux questions de surface qui sont évoquées, et il faudrait qu'on puisse travailler ensemble avec un expert, un géomètre expert, pour pouvoir définir précisément le ou les surfaces dont nous avons besoin.
Au-delà de ces paramètres, effectivement, à partir du moment où on a effectivement checké le titre de propriété, checké les éventuels impacts de ce que pourrait et ce qu'il pourrait exister en termes de conventions, de baux et autres sur ce bien, on a mesuré le bien. On va ensuite mettre en œuvre un certain nombre de méthodologies pour évaluer ce bien. Les méthodologies, la plus connue, la plus simple à appréhender, c'est ce qu'on appelle une méthode comparative. La méthode comparative, elle consiste à comparer des prix au mètre carré ensemble entre eux. Et effectivement, aujourd'hui, tu nous en parleras peut-être mieux sur Aix-les-Bains, mais rapidement, les gens vont se dire, tiens, ça vaut entre 4 000, 5 000, 6 000 euros, on va appréhender sur les quartiers. On a d'ailleurs actuellement un certain nombre d'outils qui existent, qui étaient effectivement historiquement plus difficiles à obtenir, mais l'administration fiscale et l'État a fait un énorme effort de modernisation de l'économie, avec la publication d'un certain nombre de données, de ventes immobilières. Donc on avait historiquement effectivement les notaires qui avaient un fichier qui était remarquable, qui était le fichier Perval. Aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de gens qui se réfèrent à un fichier donc publié par l'État qui est étalable, hein, donc le fichier sur le site DVF, sur l'ensemble. Et puis, plus généralement, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'agrégateurs immobiliers, ces fameux sites dont tu parlais, qui vont effectivement gérer de la data, donc récupérer, donc on n'utilise pas de nouvelles données, simplement on va agréger, on va concaténer un certain nombre d'informations, on va aller récupérer des informations de vente sur des sites, effectivement, qui sont issus des données, des bases de données de l'État. Et on va rajouter un certain nombre d'éléments qui vont être essentiellement des éléments cartographiques ou des éléments d'analyse statistique. La difficulté, en fait, de cette méthodologie, c'est qu'elle répond à une problématique qui est de dire quelle est la tendance d'un bien, quel est le prix moyen sur un secteur. Elle ne répond pas ou que très partiellement à la problématique de dire quelle est la valeur des droits que j'ai sur un bien. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec des élus il y a quelques années, donc sur une commune autour du Bourget. Donc on avait un article d'un journal national qui avait publié le prix moyen de l'immobilier. Je pense que tout le monde voit à quel journal périodique je fais allusion. Là, c'était le prix du mètre carré immobilier sur, à l'époque, c'était le Bourget du Lac. Et il se trouve que c'était une année où, par rapport à l'année précédente, le nombre de ventes, parce qu'effectivement, nous sommes sur des micro-marchés, les maisons, au lieu d'avoir une quarantaine de ventes dans l'année, il y avait simplement une dizaine de ventes de maisons avec deux ou trois des plus remarquables maisons du secteur qui s'étaient vendues cette année-là. Donc évidemment, l'analyse d'un prix moyen au mètre carré sur secteur sur cette année-là, il avait complètement explosé. On notera par ailleurs actuellement sur un secteur qui nous tient à cœur, qui est le secteur des stations. Moi, je suis très attaché aux stations, je suis amoureux de la montagne. Effectivement, souvent, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'expertise sur des secteurs comme Val d'Isère et Courchevel. Et aujourd'hui, dans les statistiques nationales, on a effectivement Val d'Isère qui est devenue quasiment la commune la plus chère de Savoie en prix moyen, souvent. J'invite souvent mes clients à Valin un peu de mesure par rapport à ça, en leur expliquant qu'effectivement le déclassement de cette commune de Saint-Mont-Tarentaise est aussi lié à l'agrandissement géographique d'un point de vue strictement statistique, puisqu'effectivement la commune de Saint-Bon a été revue avec notamment un étagement et la commune qui est à côté, effectivement anciennement la Tania, qui désormais intègre. Donc évidemment, quand on va intégrer un volume de données, une statistique sous un code postal ou sous un code INSEE beaucoup plus important, on peut avoir un effet statistique de hausse ou de baisse du prix par rapport à ça. Il n'empêche que Val d'Isère est une très belle commune et que je l'aime beaucoup. Sinon, je ne vais pas me faire d'amis là-haut. Donc, mais effectivement, cette vision, comme tu pouvais l'évoquer, des sites ou des éléments, c'est souvent une vision très très statistique et qui ne va pas tenir compte effectivement des spécificités du bien. C'est d'ailleurs parmi les différents types de missions qui nous sont fixées et des limites méthodologiques, souvent un des litiges qui nous est souvent amené effectivement ou soumis par des clients sont des litiges qu'ils ont avec l'administration fiscale. Soit effectivement à l'occasion, on va dire, de déclaration, de succession, également de ce qu'on appelait anciennement l'ISF et désormais l'IFI, où il peut y avoir une différence d'appréciation importante. Notamment, parce qu'il faut bien le dire, même si l'administration fiscale dispose de bases de données très intéressantes et d'une véritable montée en compétences de ses équipes depuis quelques années, on a une vision d'un bien qui n'est qu'une vision extérieure, puisqu'effectivement, je rappelle que l'administration ne connaît pas l'intérieur des biens, ni l'intérieur des références qu'elle cite, ni effectivement l'intérieur de la propriété, et on peut avoir des éléments extrêmement différents. En particulier, ce qui pour les uns va être beau et luxueux ne le sera pas du tout pour les autres.
on a tous mille exemples de clients qui nous ont dit un jour, venez voir chez moi, c'est tout neuf, je l'ai fait il y a 35 ans. Enfin, je veux dire, c'est neuf de 35 ans. Donc, en fait, ce que les gens souvent entendent par neuf, c'est simplement que le bien a été entretenu et qu'évidemment, ils ne l'ont pas dégradé. Mais en ça, ils se sont comportés comme déjà de bons pères famille, des bons propriétaires. Pour autant, et notamment dans les marchés qui tendent de plus en plus vers de l'immobilier de luxe ou de l'immobilier un peu de standing, le besoin de renouvellement est en dehors de la qualité intrinsèque des matériaux, le style, le look, l'organisation, la commodité des espaces sont des éléments aujourd'hui d'appréciation importants dans la valeur. Et sans une visite sur place, si tous je nous demande de dessiner une maison idéale, ce dont on peut être à peu près certain, c'est que la maison idéale que nous allons dessiner ou décrire lorsque nous avons 20 ans, 40 ans ou 80 ans ne sera pas la même, parce qu'elle va correspondre à des besoins de notre vie qui vont être totalement différents, avec des prises en compte qui vont être déjà parfois dans la situation géographique, et qu'effectivement, ce qui sera idéal et ce qui sera parfait pour une personne à un moment donné de sa vie ne sera plus à un autre moment. Le marché réagit à ces tendances, et aujourd'hui, une maison de 100 mètres carrés, pour reprendre l'exemple qu'on a tout à l'heure, si on se dit, tiens, Aix, les bains, alors, ça vaut 4 000, 6 000 euros du mètre, enfin peu importe, sur l'ensemble, si on se dit une maison de 100 mètres carrés, on imagine bien qu'une maison aujourd'hui de 100 mètres carrés, contemporaine, avec un toit terrasse plat, avec une architecture un peu travaillée sur l'ensemble, sur un joli jardin de 600 mètres carrés, c'est pas tout à fait la même chose qu'une maison de 100 mètres carrés qui est située en triplex sur 3 niveaux, ancienne maison un peu ouvrière qu'on conserve encore dans certains quartiers, de 3 fois 30 mètres carrés sur des niveaux, où là, effectivement, on se rend bien compte que les possibilités d'aménagement, la manière de vivre cette maison sera différente. Et pour reprendre cet exemple, puisque je sais qu'un de tes confrères, c'était une indication qu'il avait donnée sur les gens, c'est vrai que si on dit 4 000, si on dit 6 000, ça fait déjà 50% d'écart. C'est déjà énorme. Et qu'à un moment donné, on a besoin de savoir est-ce que c'est 4 000, est-ce que c'est 6 000, est-ce que c'est bien 100 mètres carrés, est-ce que c'est pas 95, etc., etc. Donc cette méthodologie, elle doit effectivement se mettre au service du client là-dessus. Franck, on va se retrouver dans quelques instants, on va faire une petite pause musicale et dès qu'on se retrouve, on va accueillir Florian Paulet qui va combler aussi notre table, donc Florian Paulet, courtier en prêt immobilier pour meilleurtaux.com, et avec lui on va parler justement des tendances du marché, qu'est-ce qu'on peut acheter, à quel prix, comment, pourquoi. C'est sur Radio Grand Lac 92.1 dans 5 minutes. Et bien à tout de suite. Cette émission vous est présentée par Century 21, Aix-les-Bains. Les Maudits Mots, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Allez, on revient sur Radio Grand Lac 92.1. On est ensemble jusqu'à 19h pour notre émission mensuelle d'immobilier. Juste avant de reparler d'immobilier, le plus important. Le plus important, c'est un appel aux dons que lance la mairie d'Aix-les-Bains. Donc pour 5 orphelinats en Ukraine. Donc on vous rappelle que dès demain, donc vendredi 13 et jusqu'à mercredi 18 inclus, vous venez sur le théâtre de Verdure. Si vous avez des choses à déposer, des jeux, des jouets, des peluches, des produits d'hygiène, ben voilà, tout ça, ils le prennent. Ils vont faire un grand convoi qu'ils vont amener directement en Ukraine. Ça partira donc le 19 mai. Donc, s'il vous plaît, dès demain, 10h midi, s'il y a des choses dont vous voulez, dont vous ne voulez plus, ou tout simplement des choses donc que vous voulez offrir. Donc ça part directement en Ukraine pour 5 orphelinats, ils en ont besoin. Donc je rappelle, des jeux, des jouets, des peluches, des produits d'hygiène. Parc de Verdure, 10h midi, de vendredi à mercredi inclus. Voilà pour la parenthèse, c'est cette parenthèse on va dire bénévole. Et on repart sur les maudits mots. Et j'ai un nouveau compère qui est avec moi autour de la table, c'est Florian Paulet, meilleurtaux.com. Ouais, salut Sullivan. Comment ça va, Florian? Ça va très bien. Je te remercie pour ton accueil. Avec plaisir. Voilà, on est bien dans le studio avec Franck, avec tout le monde. Donc avec toi, dans quelques instants, on va revenir sur la tendance des taux. On entend beaucoup de choses. Les taux montent, baissent. Est-ce que les taux d'usure montent, baissent? On ne sait pas. Mais juste avant, j'ai mon invité exceptionnel là jusqu'à 19h. C'est Franck Chanal, qui dirige Berthier Associés, cabinet d'expertise en immobilier. On a passé la première demi-heure ensemble à balayer les principales missions d'un cabinet d'expertise. Franck, on poursuit. Et tu voulais justement apporter une précision sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, dans l'ensemble, effectivement, on parlait de méthodologie et ça permettra de discuter aussi sur ces questions de taux qui sont intéressantes, parce que parmi les méthodes qui sont utilisées, il y a souvent aussi les méthodes qui sont liées au rendement, hein, à l'argent, c'est ce qu'on appelle plus généralement
la grande variété des méthodes dites par capitalisation, dit autrement, c'est le fameux adage, un bien ne vaut effectivement que parce qu'il rapporte sur l'ensemble. Donc on va devoir effectivement, sur un certain nombre de sujets, s'intéresser au loyer qui est perçu, c'est notamment le cas en matière de loyers commerciaux, même si souvent, par rapport à l'analyse un peu simpliste qui était faite de l'époque, de dire, comme disaient les anciens, bah, de toute façon, le loyer à un local commercial, c'est 10 fois le montant du loyer annuel. C'est les choses qui aujourd'hui sont totalement obsolètes et on verra sur les questions techniques pourquoi, avec les effets de taux notamment, hein, puisque évidemment, c'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on a des taux d'intérêt à 7% ou lorsqu'on a des taux d'intérêt à 2%. Donc évidemment, ce sont des grandes méthodes par capitalisation. Dit autrement là-dessus par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'encore une fois, sur les différences avec le métier de l'agence, je crois que c'est surtout le moment dans lequel on a besoin effectivement de l'expertise. Les agences vont fonctionner effectivement sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les moments de gestion, d'administration, de disposition d'un bien, alors qu'effectivement, le rôle et l'intervention de l'expert immobilier, elle est en général plutôt nécessaire à des moments où on n'a pas forcément envie de moins, mais on a besoin de sécuriser une opération, parce qu'on a un projet de donation, parce qu'on a un projet effectivement on a besoin de rassurer la banque, on a besoin de se garantir par rapport à l'administration fiscale sur un certain nombre de déclarations, et effectivement expertiser, c'est sécuriser, c'est en tout cas nous l'adage du cabinet. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai la chance moi dans mon métier d'avoir pu voyager beaucoup en France et je me suis fixé dans cette magnifique région qu'est la Savoie, la Haute-Savoie. Donc on a pu voir des choses effectivement. Est-ce que tu as vu des biens dingue, alors dingue dans le sens beau, grand, et après d'ailleurs on fera les biens complètement catastrophiques, mais est-ce que t'as en tête un bien, quelque chose d'extraordinaire, ou lorsque tu y repenses tu dis quand même j'ai eu de la chance de rentrer dans ces lieux? On a dans notre métier, mes confrères et moi, une chance extraordinaire, c'est qu'on rentre dans l'intimité des maisons, des vies, et on découvre des univers qui peuvent être complètement différents. En Savoie en particulier, comme tu peux l'imaginer, et aussi puisqu'on a une activité, je dirais, sur Paris, un peu la Côte d'Azur, donc on a la chance de voir des choses qui sont totalement extraordinaires. C'est ces fameuses maisons, effectivement, de stars hollywoodiennes, hein, donc on a des choses totalement incroyables. Si on doit situer en termes de taille, par exemple sur un chalet, le plus gros chalet que nous ayons est expertisé, hein, donc c'est un chalet dont la surface bâtie est de 10 000 mètres carrés de surface planchée. 10 000 mètres carrés. Donc il faut imaginer. Mais c'est pour une personne, c'est pas un hôtel. C'est pas un hôtel, non, c'est un particulier, alors qu'il y a une grande famille certes, mais qui effectivement a fait un chalet avec effectivement la partie invitée, etc., puisqu'il y a une très grosse infrastructure évidemment souterraine. Et il a beaucoup d'invités alors à 10 000 mètres carrés. Il y a beaucoup d'invités, oui, il y a beaucoup de beaux invités, effectivement, c'est une bâtisse de 10 000 mètres carrés sur l'ensemble, donc c'est quelque chose de totalement incroyable. Avec des niveaux de détail, des réflexions, des prestations, puisque ces biens-là ne sont pas simplement des actifs immobiliers, mais c'est aussi, il faut être très clair, des actifs qui ont parfois une vocation effectivement de représentation, hein, par rapport à un certain nombre de pays, par rapport à des représentations commerciales que les gens veulent donner sur l'ensemble. Donc effectivement, 10 000 mètres carrés, c'est très grand. Pour donner une idée, c'est un bien qui dispose de 2 piscines intérieures, dont une semi-olympique, donc en intérieur. Tout simplement. Donc tout simplement toute modestie. Vrai, donc ça c'est en termes de taille, c'est certainement le plus grand qu'on ait vu nous sur l'ensemble. Je pense que c'est un moment le plus grand des Alpes. À 10 000 mètres carrés, ils vont en sous-sol. Oui, il y a une partie. Donc on a des infrastructures souterraines qui permettent de circuler en voiturette de golf à l'intérieur. Voilà. En toute simplicité. En modestie et simplicité. Donc effectivement, donc la première fois quand on visite ce genre de choses, on est évidemment ébahi puisque ce sont des choses totalement extraordinaires. Attends, mais tu mets combien de temps pour expertiser C'est long effectivement. Ouais, ce sont des travaux qui vont nécessiter quasiment. Voilà, on a dû passer presque une semaine sur place. Ouais, parce qu'il y avait des besoins de vérification assez poussés. Sur des questions, donc effectivement, ça c'est certainement le plus grand. Juste du coup, Franck, du coup, tout à l'heure tu évoquais la méthode comparative pour évaluer un bien. Sur un bien comme ça, méthode comparative, ça va être compliqué, je pense. C'est compliqué si on considère que, en fait, la méthode comparative, et là ça rejoint un peu ce que disait Sullivan tout à l'heure, elle est liée quelque part au projet. Un bien, parce qu'on parle de ça, c'est une méthode qui existe et il y en a plusieurs, mais elle porte sur ce qu'on appelle les biens d'exception.
on ne le compare jamais à la maison d'à côté. C'est-à-dire qu'un chalet de 10 000 mètres carrés, la logique de l'acquéreur sur ce type de bien, c'est effectivement d'acquérir un bien de prestige. Donc on va voir effectivement, et c'est toute la problématique de l'expertise des chalets de luxe, puisque si celui-ci était le plus grand, j'ai pas forcément dit qu'il était le plus cher sur l'ensemble, puisque sur l'ensemble des Alpes, les chalets les plus chers vont plutôt se retrouver dans d'autres types. De mon point de vue, aujourd'hui, les prix au mètre carré les plus élevés sont encore situés sur quelques actifs à Courchevel, extraordinairement bien situés, et très très bien construits et gérés, opérés par un hôtelier qui a un palace sur Courchevel. Donc c'est vraiment les biens les plus remarquables que l'on ait en termes de qualité de construction sur l'ensemble, et qui vont effectivement couvrir tous les aspects du chalet de luxe par rapport à ça. Donc la question de la comparaison, c'est juste où est-ce qu'on les tend. Évidemment, si on considère et l'on compare uniquement ce chalet à la maison, s'il est situé à côté ou à l'appartement, ça n'a pas de sens. En revanche, si on commence à ouvrir un peu la réflexion et qu'on s'interroge effectivement en se disant est-ce qu'il n'y a pas d'autres chalets un petit peu similaires, on va voir, par exemple, que d'autres chalets de ce type et de ce prestige peuvent exister soit dans les Alpes françaises, soit dans les Alpes autrichiennes, soit dans les Alpes suisses. On a une activité, mon associé en particulier intervient assez régulièrement sur la Suisse, sur les secteurs. Les niveaux de valorisation que nous avons ici aujourd'hui sur la France sont encore en deçà de secteurs comme l'on peut avoir, par exemple, sur Zermatt, ou même, par exemple, à Aspen, sur l'ensemble, puisqu'aujourd'hui, sur les 10 stations les plus chères dans le monde, nous n'en avons, si je puis dire, dans notre belle région, que 4 ou 5 hein, sur l'ensemble. Donc, évidemment, les Courchevel, Méribel, Val d'Isère, Megève, mais on va pour l'ensemble des autres stations, avoir Aspen, qui sera la numéro 1 dans le monde, avoir du Zermatt, avoir du Gstaad, etc. Ouais, donc, en fait, effectivement, la méthode comparative, tu vas vraiment les donner au niveau international, quoi. Oui, parce que celui qui est prêt à mettre... on va dire, des cinquantaines ou centaines de millions d'euros dans un chalet, son choix, il ne se limite pas simplement à savoir... les critères de choix pour cette personne ne sont pas de savoir... ne sont pas les critères de choix, je dirais, de moi, de toi... Oui, bien sûr, ouais. ou de l'acquéreur ordinaire. Donc, mais puisqu'on parlait, tu me l'as demandé en me disant des choses extraordinaires. Donc alors, ça, c'est extraordinaire en termes de taille. A contrario, tu as les biens extraordinaires, mais tu as les biens un peu moins extraordinaires. Ah oui, c'est... Les biens, alors. Alors. On dira pas où c'est. On dira pas où c'est. Nous avons effectivement vu des choses totalement incroyables. Alors, c'est pas des biens en tant que tels, c'est l'usage qu'en font les gens. J'ai dans ma profession eu l'occasion de visiter des choses. Je me rappelle ce monsieur qui me fait visiter une maison. Il portait manifestement pas son gendre dans son cœur, et là, et il me dit, on arrive devant un garage double, on était dans une zone pavillonnaire, et devant le garage double, il me dit, et là, vous allez voir le clou du spectacle. Ah, le clou du spectacle. Je m'interroge un peu. Donc le monsieur, je lui dis, bon, on rentre dans une première pièce, 4 mètres carrés, à droite, je ne sais pas, une sorte d'aquarium géant avec 2000 souris blanches. D'accord. Et il me regarde en me disant, c'est la nourriture. Et là, on ouvre la deuxième porte où le monsieur avait une passion, manifestement, pour les serpents. D'accord. Donc, un garage double d'une cinquantaine de mètres carrés dans lequel le monsieur avait un élevage où il devait y avoir à peu près 2000 serpents à l'intérieur. 2000 serpents. Donc, avec des conditions tropicales sur l'ensemble, donc des choses. Donc, effectivement, on est un petit peu surpris de découvrir ce genre de choses dans des biens où on peut passer 50 ou 100 fois devant sans imaginer, effectivement, ça. On a un autre client, plutôt pareil, dans une visite, qui avait une passion, effectivement, pour les insectes exotiques et qui avait décidé de les élever en liberté dans la maison. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on appelle insectes exotiques ? Alors ça va depuis la chenille qui se transforme en papillon à l'araignée non venimeuse, nous précisait-il. Effectivement, avec des phasmes dont certains, une espèce de mante religieuse géant qui faisait faire une dizaine, quinzaine de centimètres, ah ouais, dont certaines couraient sur les murs en liberté dans la chambre à coucher. Donc évidemment, je crois d'ailleurs que l'épouse de monsieur était partie. C'est assez curieux. Donc on voit des choses effectivement qui sont quand même assez curieux par rapport à cette intimité, ces choses incroyables. Ça reste effectivement, ça reste comme on l'évoquait, assez extraordinaire
Voilà, parce que c'est des choses, on n'imagine pas, ça puisse, on n'imagine pas que ces choses-là puissent exister. Et pourtant, si, parfois, on a des situations à côté avec, avec des choix, des passions, hein, souvent, parce que c'était le cas pour ces gens, hein, des passions qui sont d'ailleurs tout à fait légales, mais qui sont assez surprenantes, pour tout le dire, et qui, effectivement, d'ailleurs, impactent la valeur d'un bien immobilier. On a eu aussi dans les sujets. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose de plus en plus. On a une notion qui s'appelle le trouble anormal de voisinage actuellement. Donc, oui. Le trouble anormal de voisinage, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand, effectivement, notamment, il y a une promotion immobilière à côté de chez moi qui va impacter la vue, qui va impacter mon environnement, etc. Donc, ça, c'est des missions que nous avons de plus en plus. On est très spécialisés sur ces sujets-là, effectivement. Perte de vue, perte d'ensoleillement et autres. Mais on a parfois eu des questions importantes, et notamment, on a eu des questions qui se sont posées à nous, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un bien dans lequel il y a eu un crime ? Voilà, on a expertisé un bien dans lequel, ça ne s'invente pas, il y a eu un crime sadomaso dans un appartement, donc effectivement, un appartement qui a fait l'objet, effectivement, d'articles, de presse, hein, identifiés, et avec, effectivement, donc une situation où bah, le monsieur est mort à l'intérieur dans des conditions, effectivement, qui ont amené une enquête de police hein, par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est assez surprenant. Et la question, c'est de se dire quel est l'impact, finalement, de cette mauvaise réputation sur un bien. Donc, c'est aussi la question des choses... c'est pas forcément le bien lui-même qui est extraordinaire ou la situation, mais c'est aussi et surtout les situations, les conditions de vie par rapport à ça. Le reste, quelque part, sur l'ensemble, les grandes méthodes d'analyse telles qu'on les évoquait, que ce soit par comparaison ou par capitulation, permettent toujours effectivement de répondre à un certain nombre, soit par rapport à des notions de comparatif, de prix, soit par rapport effectivement à des questions de rendement là-dessus. Mais effectivement, sur ces sujets-là, les situations précises, des circonstances précises peuvent amener des grandes variations de valeur. Sur un certain nombre d'éléments où on va sortir effectivement de la rationalité. Est-ce que toi, tu as vu aussi un peu ce genre de choses, un peu atypiques ? Il y a eu des choses effectivement atypiques. Après pour pas de crime sadomaso, alors je suis libre. Pas un crime, mais des combles aménagés en. Ouais, tout à fait, ouais. Mais hyper bien aménagés, hein, vraiment quelque chose de. Écoute, c'est à tous les amateurs de bondage, Sullivan a un actif très intéressant à vous proposer actuellement. Il est vendu, d'ailleurs. Il y a des fois effectivement des biens comme ça qui sont assez dingues. Ce qu'on va le plus retrouver c'est plutôt des biens qui des personnes qui vont pas prendre soin de leur habitation. Ouais, c'est effectivement un classique. On a j'imagine aussi, je sais pas si les gens c'est les syndromes de Diogène parfois. Carrément, effectivement, c'est assez. Donc syndrome de Diogène pour ceux qui connaissent pas, c'est effectivement des. Je n'ose dire des stratégies d'accumulation, mais on accumule tout. C'est une forme de stratégie. Voilà, donc les gens sont très conservateurs, y compris avec les poubelles dans les appartements. Donc c'est vite un petit peu compliqué sur cet ensemble. On a autrement de nous des actifs et notamment c'est marrant. On a des biens qui font parfois l'objet. Moi, j'ai une affection particulière sur ces biens avec des approches notamment qui sont pour le coup décorrélées de toute logique économique. Sur l'ensemble, c'est des biens qui ont un caractère affectif, patrimonial ou architectural très fort. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, on en fait un certain nombre au cabinet sur les étangs, des situations d'étangs, des situations de pièces d'eau, effectivement, où là, les logiques de rentabilité sont complètement différentes. On n'est plus, cette fois, sur à se poser la question des taux d'intérêt, des choses comme ça sur l'ensemble. Des châteaux aussi, où là, il y a des choses qui vont primer là-dessus, où il n'y a pas de rentabilité. Puis, à l'inverse, effectivement, on a d'autres sujets où on est vraiment dans des stratégies d'investissement par rapport à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on a des choses qui peuvent être très atypiques, très différentes, mais qui se raccrochent à de la rationalité parce qu'il y a un rendement économique hein, sur l'ensemble. Même si c'est un petit rendement, il peut y avoir un rendement, en particulier aujourd'hui en station de ski, où malgré effectivement un prix de l'immobilier très fort, on conserve aujourd'hui un petit rendement. Nous, on considère qu'actuellement, sur de l'immobilier un peu de prestige, sur de belles stations, ce que l'on observe sur les ventes, c'est que les rendements sont actuellement, on va dire, entre 2,5 et 4, hein, sans rentrer plus dans le détail par rapport à ça, sur les actifs de beaux appartements dans les résidences de tourisme ou autres. Alors, ça n'est permis, de notre point de vue, que parce qu'effectivement, aujourd'hui, les taux d'intérêt étaient encore extrêmement bas par rapport à ça, sur l'ensemble. Mais si j'ai bien compris, c'est des choses qui peuvent changer. Florian Paulet, meilleurtaux.com, vous le retrouvez sur la place du marché. On va faire un petit point justement sur l'évolution des crédits immo en ce moment. Comment ça va, Florian ?
Écoute, ça va bien. Est-ce que tu as eu du monde qui a poussé les portes de l'agence meilleurtaux.com ces dernières semaines? Comment se préfigure le marché? Parce qu'en fait, on dit un petit peu de tout. On dit que les taux montent, on dit que c'est un peu plus compliqué. Toi, de ton point de vue? Bah écoute, en ce moment, c'est dynamique. Les taux, c'est, on va dire, comme les températures actuelles, ça remonte. Et cette fois, on peut c'est le dire. C'est plus agréable pour les températures quand même. Voilà, surtout sur les températures. Mais là, le marché des taux, il y a une vraie accélération, il y a un vrai changement. Depuis des années, on s'est posé des questions. On était sur des taux, on va dire, planchers. Et puis, il y avait toujours un tas d'experts qui disaient que ça allait remonter, mais ça n'a jamais été le cas. Ça fait 4 ans qu'on dit que les taux vont remonter. Ça fait 4 ans à peu près qu'on dit que les taux vont remonter, et ce n'était pas le cas. On avait des fluctuations de marché, des corrections. Les banques sont mises en concurrence, donc il y a toujours des petits écarts, mais qui étaient quand même assez infimes. Et là, on peut parler vraiment de remontée des taux, puisque depuis février, donc ça va faire 3 mois de suite, systématiquement, tous les mois, les établissements bancaires remontent leur barème. Hier, c'est quand même un événement, hein, dans le monde des taux, etc., et des emprunts. Christine Lagarde, donc la directrice de la Banque Centrale Européenne, il s'occupe de la politique monétaire. Depuis 2011, ils n'avaient jamais augmenté leur taux d'intérêt. Hier, ça a été le cas, et elle a annoncé une première hausse de taux à venir pour le mois de juillet. Elle annonce, et donc c'est une annonce, une première. Depuis 2011, ça fait quand même 11 ans qu'on n'avait pas connu ça, donc effectivement, en ce moment... Nous, notre marché du taux est un petit peu en dynamisme, est un peu chamboulé. On voit que tout le monde commence un petit peu à vouloir accélérer les choses. Et nous, on le constate auprès des clients qu'on suit et qu'on défend dans les établissements bancaires. La notion de réactivité, la notion de temps est aujourd'hui primordiale, puisqu'il faut savoir qu'une banque qui vous fait une proposition, c'est une proposition, ensuite il faut pouvoir la valider pour derrière que le contrat de prêt puisse être réalisé aux conditions envisagées et négociées. Aujourd'hui, les établissements bancaires, avant, nous faisaient des propositions qui étaient valables et qui étaient maintenues pour une durée de un mois. Okay. Donc ça, c'était du classique. Et là, pour dire qu'il y a une évolution, qu'il y a quand même quelque chose qui change, on est passé sur un mois, on est passé à 15 jours. Ah ouais, donc les établissements bancaires n'arrivent plus à maintenir les conditions puisque les taux remontent trop vite. Et effectivement, derrière, il faut pouvoir visiter des biens, trouver. Nous, on est là pour négocier, sécuriser les acquisitions avec les clients pour, bien sûr, sécuriser les taux d'intérêt obtenus. Mais là, on constate une réelle évolution. On va dire, ça prend 0,15, 0,20 tous les mois. Et quand Christine Lagarde prend la parole en disant que la BCE va augmenter ses taux à partir de juillet, elle dit que c'est une première, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une montée successive même auprès de la BCE, ou est-ce que c'est une fois et on sera tranquille pour 2022? Je sais que là je te demande de lire un peu dans ta boule de cristal, mais... Écoute, moi après mon point de vue, aujourd'hui les taux, comme vous le savez tous, ils sont des taux planchers, ils sont très bas depuis 5 ans. Ça a sûrement trop duré, hein, il y a eu beaucoup de liquidités injectées avec toutes les crises Bien successives, sûr, ouais. La Covid, ce qui se passe en ce moment aussi en Ukraine. Et puis on le voit tous, il y a un phénomène puissant d'inflation, donc on l'a vu dans les actifs que vous gérez, l'inflation immobilière. Après aussi au niveau alimentaire, au niveau énergétique. Et le seul outil aujourd'hui à disposition pour essayer de contrer cette inflation et d'éviter que les prix augmentent trop, c'est justement d'augmenter les taux d'intérêt pour un peu ralentir la machine économique. Donc aujourd'hui, ils ont augmenté une première hausse pour juillet, mais ça en appelle d'autres par la suite. D'accord. Voilà, aujourd'hui, on est en retard sur les taux d'intérêt. Ils disaient que pour contrer l'inflation actuelle, on devrait finalement être sur des taux à peu près à 10-11%. 10-11%. Voilà, si on voudrait contrer l'inflation actuelle, ces taux ont été connus par le passé, c'est des taux qui ont existé. Ouais, dans les années 80, quoi. Voilà, donc là, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de taux immobiliers. Aujourd'hui, on est toujours sur des taux fixes, même sur des durées sur 25 ans. Alors c'est toujours dur de donner des taux puisque ça va dépendre à chaque fois. Est-ce que c'est possible d'avoir des fourchettes peut-être sur 25 ans? Je suis primo-accédant, j'ai 30 ans, je vais acheter mon premier appartement, je vais emprunter sur 25 ans. Qu'est-ce qu'en moyenne on pourrait obtenir, sachant que voilà, pour les 15 prochains jours, on va dire. On peut aujourd'hui parler sur 15 jours, voire 10 jours. Aujourd'hui, on arrive à, chez Meilleur Taux encore à négocier des taux qui peuvent être en dessous de 1,50. C'est vraiment du cas par cas. Mais on a très très bon taux quand même, hein. On a la plupart des établissements bancaires aujourd'hui, pour être concret, qui sont remontés sur du 1,8, sur du 1,9. Et il y a des établissements bancaires qui sont remontés aujourd'hui à 2%. Donc
Donc là, sur 25 ans, on va aussi entre 1,50 et 2%. On va quand même rappeler, parce que donc c'est vrai que ça fait plus haut, mais quand on regarde, quand on prend un peu de recul sur le prisme de ces 5 dernières années, on reste encore sur des taux qui sont maîtrisés, sur des taux qui sont quand même relativement bas. On est quand même encore très très loin des 3, 4, 5%. Quoi. Voilà, pas d'affolement, on reste sur des taux très bas. Effectivement, on n'a pas connu ça depuis quelques années, mais ça reste très bas. Après, le mécanisme, et Franck en parlait, c'est intéressant, on voit une remontée des taux, on voit que l'immobilier a jamais été aussi haut en termes de prix depuis toujours. Donc après, le prochain mécanisme, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir un phénomène sur les prix ? Est-ce que ce sont des paramètres que Franck prend en compte dans son évaluation ? Puisqu'aujourd'hui, moi, si je calcule pour un couple moyen qui emprunte, en gros, c'est 1 000 euros une mensualité pour un couple, c'est ce qu'on fait. Par rapport à un mois de février, et là on est sur le mois de mai, en 4 mois, ces gens, pour un emprunt, ils ont perdu à peu près 10 000 euros de capacité d'emprunt. Donc ça veut dire que les gens ont envie de plafonner. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça va, il y aura une répercussion sur les prix futurs de l'immobilier ? Et si on a une, combien de temps ça met ? Voilà, c'est un peu des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Je crois que c'est une question passionnante, mais malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le temps de la voir ce soir, compte tenu du timing qui nous est donné. Moi, je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu quand même. Si on a joué quand même, parce que c'est quand même une question qui est très importante. Assez logiquement, effectivement, la remontée des taux devrait amener, on peut le dire, une contraction des prix de l'immobilier. Forcément. Pour autant, on est dans un secteur aujourd'hui. Il faut pas l'oublier. Non, dans notre activité, on va se balader effectivement un peu partout, si je puis dire, en France, pour les institutionnels ou autres. Et je crois qu'il faut quand même avoir en tête qu'on est dans une région qui est un peu bénie des dieux, parce qu'on a les lacs, parce qu'on a l'activité effectivement économique de la montagne, et parce qu'on a ce qu'il convient d'appeler à côté de chez nous deux villes qui ont une dimension internationale très forte, qui sont effectivement Genève d'un côté. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans les statistiques le nombre d'actifs, y compris sur Aix-les-Bains, sur Grésy, qui quotidiennement vont travailler à Genève. Qui en plus, effectivement, a très largement laissé les gens recourir au télétravail d'un point de vue structurel, au-delà des effets conjoncturels de Covid. Et on a également la même situation sur la région lyonnaise. Donc effectivement, cette attractivité, aujourd'hui, on fait partie des régions, les plus demandées dans la fonction publique. Aujourd'hui, c'est la Savoie et le deuxième secteur, apparemment, dans l'enseignement, c'est la deuxième région la plus difficile d'accès en France après les Alpes-Maritimes. On est une des régions, effectivement, où les retraités expriment le plus souvent ce qui est effectivement un pouvoir fort d'achat, une des régions où effectivement les gens ont le plus envie de vivre. On a un certain nombre de villes, Aix-les-Bains, Annecy, dans nos régions, qui sont régulièrement classées parmi les villes les plus attractives de France. Donc je pense qu'effectivement, ce phénomène national de contraction, vraisemblablement, d'un prix de taux de l'immobilier, risque quand même de ne pas réellement trouver écho dans nos régions, parce qu'en fait, on fait face à une pénurie de foncier qui est très importante. On a aujourd'hui, entre les zones protégées, je dirais, qui sont liées effectivement à des zones humides, à la présence de lacs, à la présence de massifs protégés, le parc des Bauges, etc., les différents parcs, à travers les contraintes géographiques dans nos régions, faire passer les infrastructures, aménager en stations, aménager dans les vallées, c'est compliqué. En réalité, on a une pénurie de foncier, et on a beaucoup plus aujourd'hui de demandes que l'on a d'offres. Donc certes, peut-être demain, il y aura un peu moins de demandes facilement finançables, finançables avec des bons taux, mais aujourd'hui, dans les retours qu'on a, nous, avec un certain nombre d'opérateurs immobiliers, en particulier sur les stations où c'est les gros projets, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y avait des liquidités qui étaient très importantes, qui aujourd'hui sont réinjectées dans de l'immobilier, et on a un certain nombre d'actifs investisseurs qui sont de moins en moins financés avec de l'emprunt bancaire ou tout au moins avec des parts effectivement d'emprunt bancaire réduite. En particulier, on peut dire qu'en station, on peut dire que sur des secteurs comme Annecy et même aujourd'hui sur Aix-les-Bains, on a effectivement une très forte demande et qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette remontée des taux des crédits freine complètement. D'autant plus que si, et sauf erreur de ma part, si les taux d'intérêt augmentent, l'immobilier deviendra, et c'était la formule de Roosevelt, de l'immobilier entièrement payé, géré en bon père de famille, et le placement le plus sûr au monde. Ça, c'était avant en 29, de tête. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore vrai, l'immobilier reste une valeur refuge très importante dans les temps d'incertitude.
Il y a d'autres incertitudes qui peuvent exister aujourd'hui, notamment sur les prochaines, l'issue des prochaines élections, sur des politiques. Effectivement, je sais qu'Aix-les-Bains vient de signer une convention pour la mise en place d'un observatoire des loyers sur l'ensemble, hein, pour essayer de limiter la hausse des loyers. Ouais. Donc on a un certain nombre effectivement de choses qui peuvent exister pour freiner aussi cette inflation. Je pense quand même qu'effectivement dans nos régions, je dirais dans cette espèce d'arc, dans cette route qui va de Genève, ce triangle entre Genève, Lyon et Grenoble, hein, dont avec les Savoies, je pense qu'effectivement la demande est tellement forte et la pénurie de foncier et les contraintes sont tellement importantes qu'effectivement je ne vois pas d'effondrement proche des prix de l'immobilier et au contraire je pense qu'on va continuer à augmenter la valeur du mètre carré, soit de terrain ou de logement. Je crois que, en fait, de toute façon, il n'est pas question du tout de ni d'effondrement ni de flambée, quoi. En fait, l'idée, c'est que, effectivement, par un levier mécanique, quand vous avez une augmentée des taux, il se peut que à long terme, il y ait une stagnation, voilà. Et mais à contrario, lorsqu'on a eu une baisse des taux qui était efficiente, ça a permis aussi aux gens d'avoir plus de pouvoir d'achat pour pouvoir acquérir. Mais ça s'est pas vu en deux semaines, quoi. Donc, pour le coup, c'est des phénomènes qui prennent du temps. Et de toute façon, là, pour l'instant, on n'est pas en train de dire qu'on va avoir des taux immobiliers à 4% au mois de juin. C'est pas le cas du tout. Non, pas du tout. Si les taux remontent, ça va être très progressif pour ne pas non plus casser la machine économique. Hein. C'est un pilotage qui est vraiment très fin. C'est sûr que les gens qui empruntent globalement 100% de la valeur d'un bien ou 90% de la valeur d'un bien sont impactés par rapport à d'autres gens qui, comme disait Franck, vont pouvoir, eux, réinjecter des liquidités dans des biens. Après, voilà, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à venir nous voir, que ce soit les primo-accédants ou les acquéreurs, pour qu'on puisse maximiser leurs enveloppes budgétaires. Il y a quand même des différences qui vont se faire entre les banques, donc faut pas qu'ils hésitent à pousser la porte. Et moi, je les encourage parce qu'on a envie de les aider. Et on sait quand même que le marché, voilà, pour ceux qui cherchent, qui habitent le coin, le marché, il est tendu. Donc voilà, il faut qu'on fasse le maximum pour leur trouver des solutions et qu'on puisse les loger et qu'ils deviennent également propriétaires, quoi. Pas d'affolement, faites-vous conseiller par de bons professionnels. Il y en a beaucoup sur Aix-les-Bains et dans nos territoires. Vous retrouvez Florian Paulet sur meilleurtaux.com sur la place du marché, c'est bien ça, au combien ? 9 place Clémenceau. 9 place Clémenceau sur la place du marché à Aix-les-Bains. Et mon invité spécial ce soir, c'était Franck Chagnal, dirigeant de Berthier Associés. Berthier Associés, donc cabinet d'expertise immobilière qu'on retrouve. Le siège est au Bourget-du-Lac et on a également des bureaux à Annecy, Albertville, sur Bourgoin et Lyon sur l'ensemble. Florian, tu voulais une petite dernière chose, juste, on s'appelle plus meilleurtaux.com, on a changé de nom, il y a un gros brainstorming, maintenant c'est simplement meilleurtaux. Voilà, il faut que tu le saches, le point com a été enlevé, apparemment c'est plus classe, point com c'est année 2000 ils nous ont dit, maintenant on est meilleurtaux. Ok, non mais effectivement, et si moi demain je n'appelle plus Century 21 mais que Century 22, je le dis aussi. Century 22 peut-être, on ne sait pas. Tu fais bien de le préciser, meilleurtaux. Merci à tous d'être extensoré. Merci Franck d'avoir été là sur cette émission. Et puis je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. J'en profite juste avant de quitter l'émission de la refaire pour une troisième fois. La mairie d'Aix-les-Bains met en place une grande collecte au profit de Saint-Coiffe-aux-Linards en Ukraine. Donc vous allez avoir un convoi qui va partir en Ukraine le 19 mai. Dès demain, de 10h à midi, il y a une permanence directement au Théâtre de Verdure jusqu'à mercredi. Vous venez déposer vos jeux, vos jouets, vos peluches, tous les produits d'hygiène, enfin, en tout cas, tout ce qui pourrait être utile à des personnes en grande difficulté. Ça part en Ukraine le 19 mai. On compte sur vous. Restez à l'écoute sur Le Grand Lac 92.1. Et moi, je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous.